Ce dessin d'une sorte de cloche à main, signature du meurtrier dont la police tente encore de déterminer la signification, est au cœur de la panique suscitée par ces meurtres. Le tueur est désormais connu sous le nom de... Les citoyens disposant de renseignements sont invités à contacter la ligne d'information de l'unité de la police. Ce dessin a été retrouvé par la police au lieu d'une cloche. Plusieurs meurtres au cours des dernières semaines. Aucun lien entre les victimes. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune piste? Pas la moindre. Quand on a grandi dans la rue, on finit par se croire invincible. Rien ne peut vous atteindre. Vous ne serez jamais perdant. Et un jour, on arrête un type, et on comprend qu'on n'est pas si invincible que ça. Ronan, d'où vient ce prénom ? Gamin m'a piqué mon portefeuille ! Il est temps de fêter ça. Papa, ça fait mal ! Tu tires ma caisse, tu payes le prix. Je vous arrête pour coups et blessures sur vous. Reconnu coupable de deux vols de voiture. Accusé de vol par effraction. Vol qualifié et agression à main armée. Un petit sourire. Ma sœur peut pas épouser un bon à rien. Hein ? Je le veux. Oh oui, je le veux. Non, Julia. Reste avec moi, tu m'entends? Julia. Non, m'abandonne pas. Reste avec moi. Ta famille collectionne les délits comme si c'était des timbres. Et tu crois que c'est un signe te rend différent? Saloperie de criminel. Il faut que tu ailles mollo. Ok, ça va te paraître idiot, mais... Si je m'écoutais, je dirais que tu cherches à y laisser ta peau. Retourne-toi. T'es en état d'arrestation. Ah ! Pour survivre à ça, reste où t'es, pourriture. J'arrive immédiatement. T'as le droit de garder le silence. Tout flic que tu jetteras par la fenêtre te retrouvera pour t'en coller une. Non, c'est fermé. Cette poignée bouge pas, elle est coincée. Oh. Hé, hey, attention. Dieu. Non. Non. Non, non, non. J'arrive à revenir dans mon corps, alors peut-être que je me réveillerai.
Allez, quelqu'un a dû entendre la fenêtre se briser. Non. Allez. Merde. Ronan ? Ronan ? J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que je t'ai trouvé. C'est pas vrai. Julia. Je croyais que je te reverrais jamais. T'as l'air en forme. J'ai connu mieux. Je donnerais n'importe quoi pour être avec toi. Pour qu'on soit à nouveau ensemble, mais... Quoi ? Non. Oh non, ça va pas recommencer, pas avec toi. Si t'es pas ici, t'es où ? Je suis de l'autre côté du pont. Du pont ? Quoi ? Quel pont ? L'endroit où tu te trouves est une prison. Ou un pont, ça dépend de ton point de vue. Dans tous les cas, c'est un endroit dangereux. Tu m'entends, il faut qu'on te fasse traverser le pont. Il faut que tu avances. Que j'avance? Et c'est là que tu es? T'en fais pas pour moi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore fini. On n'a pas beaucoup de temps, réfléchis. Qu'est-ce que tu as laissé en suspens? J'en sais rien. Il faut que tu trouves. Vas-y! Non. Julia, quand je t'ai perdu, ça m'a anéanti. Je t'en prie, ne fais pas ça. Nous nous reverrons, mon amour. Il faut que tu te sauves. Non, Julia, non! Ne me laisse pas, Julia! Et merde! Allô? Un homme vient de se faire descendre dans la rue en face de l'immeuble Rigal. Il perd beaucoup de sang. Faudrait une ambulance. Il ne respire plus. Mon ami dit qu'il ne respire plus. Je ne sens plus son pouls. Et il y a plein d'éclats de verre partout, et beaucoup oh, de non. sang. C'est pas bon. Oui, je reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Et toi, est-ce que tu m'entends ? Madame, s'il vous plaît ! Hé, hey, toi ! Hé, hey, tu m'entends ? Reviens ! Il est encore tiède. Thank you.
Hey, pourquoi tu t'es enfui ? J'en ai assez d'accueillir tous les nouveaux. Ce n'est pas contre toi. Tu traverses les murs, tu fais apparaître des trucs. On dirait que t'es ici depuis un moment. Tu dois savoir comment ça fonctionne, non ? Fonctionne ? Oh, tu sais, ce n'est pas si compliqué que ça. Apprends à maîtriser tes talents et peut-être que tu t'en sortiras. Qu'est-ce que t'appelles mes talents ? Tes qualités de vivant deviennent plus puissantes quand tu es mort. Elles se transforment en pouvoir. Certains sont uniques, d'autres communs. La possession, influencer les esprits, manipuler les objets les plus fragiles pour les faire apparaître ou disparaître. Les qualités deviennent des pouvoirs. Qui es-tu ? Ça fait longtemps que t'es ici, non ? Moi ? Je suis quelqu'un comme toi. Mais crois-moi, ici ce n'est pas une cour de récréation. Ton destin pourrait bien t'échapper, ou d'autres pourraient te le voler. Une porte m'a bloqué le passage alors que j'ai traversé d'autres trucs. Comment ça se fait ? Je croyais que je pouvais tout traverser. L'entrée de tous les bâtiments consacrés par les habitants de Salem nous est interdite. Sauf s'il y a une ouverture. Une porte ouverte. Ou une fenêtre. Mais une fois à l'intérieur, plus rien ne peut nous faire obstacle. Tu reconnaîtras les objets qu'on ne peut pas traverser à leur lumière bleue. Tu t'habitueras très vite, tu verras. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Comment ça, d'autres pourraient me voler mon destin ? Des démons. Ils étaient comme nous, mais leur âme s'est égarée. Ce ne sont plus que des spectres errants. Et leur seul but désormais, c'est de dévorer les autres. Nos semblables. Je comprends. Désolé, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment mon destin pourrait-il m'échapper ? Tu as quelque chose à résoudre ici. Tant que ce ne sera pas fait, tu resteras. Ça arrive souvent, ne t'inquiète pas. Ah ouais ? C'est dingue. Donc, je dois découvrir qui m'a assassiné et l'arrêter. C'est le seul moyen de partir d'ici. Eh bien, bonne chance à toi. Hé, mais attends ! Il faut que tu m'en dises plus ! Bordel ! Fais attention à toi. Qui sait ce qui se cache dans l'ombre ? Voir son propre cadavre étendu dans la rue, c'est comme regarder dans un miroir qu'on veut éviter sans pouvoir en détacher les yeux. Et on se rend compte alors qu'on ne sait plus lequel est l'original et lequel est le reflet.
Ouais, bonne idée, Baxter. Fais joujou avec les preuves. Des renforts? Tu me prends pour un bleu? T'aurais jamais dû te prendre pour l'un des nôtres. Mec, sur ce coup, t'as vraiment été débile. Chef. Hé, Baxter, hé, tu te calmes, tu interroges le témoin. C'est bon. Ouais, et c'est moi le débile. Ce n'est pas votre scène de crime, lieutenant. Alors, recueillez-vous et partez. Ouais. C'est peut-être pas ma scène, mais c'est mon enquête. Et demain, ça sera mon enquête. Et après-demain aussi. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Mettez-vous bien ça dans le crâne, sergent. Je suis les ordres du capitaine. C'est la procédure quand un membre de la famille... Enfin... Prenez le temps que vous voulez, lieutenant. Je sais plus combien de fois j'ai souhaité que tu meures. Fais-moi plaisir, l'escroc. Dis à Julia qu'elle me manque. Elle le sait, Rex. Elle le sait. Je dois suivre la piste de mon assassin avant qu'elle refroidisse. Il faut que je trouve un moyen de lire les notes de Stewart. Histoire de voir ce qu'ils ont. Alors, est-ce que vous avez vu l'homme à la capuche? Oui. Je l'ai vu. Il a abattu cet homme en pleine rue. Ça pourrait être intéressant de savoir de quoi il parle. Il faut que je sache s'ils ont trouvé des pistes qui m'auraient échappé. Les indices ici mènent forcément quelque part. Ronan, c'est dingue, je peux pas regarder. Je suis content de pas être flic. Comment on est censé garder notre calme alors qu'ils ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes? Qu'est-ce que je fais dans ce coin minable, moi? Vivement que je sois transférée à Boston. Incapable de faire ce qu'elle fait. On dirait que les gars font tout leur possible. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Tout ce que...
que je vous laisse était rentré dîner tranquillement et il a fallu... Si je parvenais à la calmer pour qu'elle puisse se rappeler... Je devrais juste rentrer et me cacher sous les couvertures. Madame, vous m'entendez ? Vous ne dites plus rien. Oh, et ça c'est du sang ? C'est vraiment trop horrible. Mais d'ailleurs... Quelle nuit, hein, Robinson ? Ouais. C'est dingue. Ronan, j'en reviens pas. Je saisis pas, mais qu'est-ce qu'il venait faire ici ? Se faire refroidir. Un témoin a appelé, il avait vu le crieur entrer dans le bâtiment. Ronan y fonce en se foutant des renforts. Tu connais la suite. Le crieur a voulu voir s'il pouvait lui faire pousser des ailes d'ange. Et bam. Ouais, mais... 7 balles dans le buffet. Ouais, mais... À bout portant. Tu sais jamais quand t'arrêter, hein, Baxter ? Non, mais t'as vu ces tatouages ? Tous ces trucs de gang et de tollard ? C'était tout sauf un flic. Ouais, tu vis comme un voleur, tu meurs comme un voleur. C'était un collègue, crétin. Le meurtrier ne reviendrait pas sur les lieux, si ? Heureusement que je n'étais pas là quand ça s'est produit. Je peux prendre des photos ? C'est légal ? L'affaire avance. Je peux pas abandonner. Je l'ai vu. L'homme à la capuche. En bas. Il levait la tête. Il regardait en haut, le quatrième étage, je crois. Le tueur est venu ici pour une raison. Bien, mais laquelle ? Dans l'appartement du haut, il doit y avoir des preuves. Voilà l'entrée et elle est verrouillée. Merveilleux. Ok, profitons-en. Je n'ai plus qu'à suivre Stewart à l'intérieur. Pardon. Mais est-ce que je vais devoir attendre que quelqu'un m'ouvre à chaque fois ? Ouais. Il est difficile d'entrer dans un bâtiment consacré. Mais une fois à l'intérieur, c'est du gâteau. Pareil pour en sortir. Il suffit de trouver une fenêtre ou une porte ouverte. Un jeu d'enfant. Et il y en a beaucoup, des comme ça ? Par ici ? Oh que oui. Et pas qu'un peu. Vous vous habituerez. Merci. Sergent, RAS, retournez sur...
du crime. Bien reçu. Oh, c'est que toi. Je me disais bien aussi. Hey. Ah, oh merde, mais tu veux que je fasse une deuxième crise cardiaque? Non, je voulais... C'était pas sérieux, voyons. Allez, fais pas cette tête. Balade-toi, je sais pas, moi, tu peux fouiner un peu. Personne va t'en empêcher, tu sais. Je ne comprends rien. Si je le retrouvais, je comprendrais ce qui s'est passé. J'ai cherché partout. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait ça ? Tu as l'air perdu. C'est pas moi. C'est mon corps qui est perdu. J'ai été assassinée ici, et je sais que ça semble idiot, mais j'aimerais bien savoir où se trouve mon corps. Vous êtes un genre d'inspecteur, non ? Vous pourriez être mon seul espoir. Je suis de la police, oui. T'as une idée de qui a fait ça ? Ça serait un début. Je me souviens qu'ils étaient vieux. Et je sais qu'ils vivaient dans cet immeuble. Mais à part ça, c'est le flou total. C'est vrai que je me droguais pas mal à l'époque. En effet, une enquête s'impose. Je vais essayer de récolter des infos auprès des résidents les plus âgés. Chérie, je suis sûre qu'ils peuvent t'entendre là-haut. J'espère bien. À chaque fois qu'on vient voir Jennifer dans ce trou, c'est toujours le même manège. Cette autre fille là, au deuxième étage, elle change de petit copain comme de chemise. Et mon Dieu, quelle sauvage! Je sais combien ça t'énerve, chérie. Et tu sais la meilleure? Les types du troisième, hein? On dirait qu'ils cherchent à réveiller les morts! Ma petite fille mérite bien un jardin. Où est-ce qu'elle joue? Dans la rue? Réveiller les morts, leur donner du feu, oui. J'espère qu'il ne va rien me demander. Il se rendrait compte que je ne l'écoute plus.
peu un déferlement de violence. Il y a quelques jours, au lendemain d'une série de meurtres et de disparitions, une jeune fille s'évanouissait. De plus, nous venons d'apprendre la mort d'un inspecteur de police abattu en pleine rue. Y a-t-il un lien entre ces événements ? Salem serait-elle victime d'un tueur en série ? L'enquête se suit, mais la ville sombre dans la terreur. Pour WDGA, c'était Monica Chase. Direct de Salem, enquête de vérité. Regardez-moi ce minable. Il ne bougerait pas de ce fauteuil, non. Il l'aime plus que moi. Ou un meurtre atroce a plongé la petite ville. Regardez par la fenêtre. Mais quel intérêt ? Il y a quelques jours, au lendemain d'une série de meurtres et de disparitions, une jeune fille s'évanouissait dans la nature. De plus, nous venons d'apprendre la mort d'un... Cette fille s'est écroulée comme une masse quand Grace l'a frappée. J'arrive pas à croire qu'elle est morte. Tout a été si vite. J'avais jamais vu Grace aussi furax. La fatigue sûrement. C'est fini, Dieu merci. Je peux enfin mater la télé tranquille. Interminable. Comment voulez-vous qu'on dorme avec la musique à fond ? Je crois bien qu'elle se droguait. Quand Walter l'a conduite à la carrière de Smithwick, il avait du mal à garder les yeux ouverts, tellement il était fatigué. Malgré l'heure, il a réussi à mettre la main sur des tenailles. Et maintenant, plus de musique. On peut enfin dormir. Donc Grace ne pouvait plus supporter les fêtes de la jeune fille, elle l'a tuée et a envoyé son mari se débarrasser du corps à la carrière de Smithwick. J'ai plus qu'à aller lui dire. Si tu trouves pas ton corps, c'est parce qu'il n'est pas ici. Il est enterré dans la carrière de Smithwick à environ 10 km d'ici. Oh. Pourquoi ils ont fait ça ? Tes soirées les empêchaient complètement de dormir. C'est la fatigue qui les a rendus fous. Je pensais qu'ils exagéraient, en fait. Je n'aurais jamais cru qu'ils en arriveraient là. Merci pour votre aide. Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée de comprendre. À ton service. Vous savez, je n'ai jamais été fan de la police. Ils passaient leur temps à m'engueuler, à me rabâcher que je gâchais ma vie. On ne s'est jamais très bien compris. Mais vous m'avez fait réfléchir. J'aurais sûrement dû les écouter. Peut-être que les choses auraient pris une tournure différente. Merci infiniment.
comment c'est réapparu? J'ai fait quoi? Hé! Reviens! Ces notes ne te regardent pas. Génial. On dirait une sorte de code, un truc dans le genre. Ouais, je devrais peut-être jeter un œil au quatrième avant que la police emporte l'épreuve. Salem serait-elle victime d'un tueur en série ? L'enquête suit son cours, mais la ville sombre dans la terreur. Elle mange peut-être trop de sucreries ? Ça empêche de dormir, non ? Ça t'amuse d'effrayer les gosses? J'ai tout perdu à cause de cette gamine. Pourtant, c'était censé être un boulot simple. De l'argent facile. Comment ça? C'est rien qu'une gosse. Je vois vraiment pas le rapport. Son cher papa devait pas mal de fric à des caïds. Elle, c'était qu'une monnaie d'échange. Et c'est là que t'interviens? C'était juste un kidnapping. Une fois l'histoire réglée, je l'aurais relâché. Je suppose que ça n'a pas été si simple. Peut-être bien, mais elle me doit un paquet. Et je partirai pas d'ici avant que sa dette soit payée. Lâche l'affaire. Tu perds ton temps. T'en fais pas. Je suis patient. Du temps, c'est vraiment pas ce qui me manque. Dans la nature. De plus, nous venons d'apprendre la mort d'un inspecteur de police abattu en pleine rue. Très bien, messieurs. Faites vos jeux et priez pour que la fortune vous sourie. La chance n'a rien à voir là-dedans, Evrine. Que tu crois, mon beau. Et tu ferais bien de t'en souvenir quand tu compteras tes points en pleurant. Il y a toujours une petite part de chance. Tu peux peut-être nous apprendre des trucs, hein? Après, je ne pourrai plus te piquer ton argent de poche, mon beau. Allez, messieurs, on remonte ces jupes. Et toi, Nate, balance tes jetons. J'aimerais bien la laisser gagner, mais de toute façon, elle va gagner. Garde ton sang-froid. Au prochain tour, tu la mets à genoux. Je l'ai plein. Je me souviens de quand je croyais encore que le poker était un jeu de hasard. Hey, je bosse demain, vous savez. Pour jouer, bon sang.
historique, d'ordinaire paisible. Alors t'as choisi quoi? L'électrocution ou le coup de rasoir? Le rasoir. Ça aurait dû se limiter au rasoir. C'est ce que les voix m'ont dit. Je n'avais qu'à me laisser porter par la musique pendant que je me vidais de mon sang. Alors la radio, c'était juste un accident? J'ai commencé à me couper. L'eau avait rendu ma peau si tendre. Mais je n'ai pas pu aller au bout. La radio a glissé au moment où j'essayais de sortir. Je ne voulais pas mourir. C'était les voix dans ma tête qui m'avaient demandé. Je suis désolé, petit. Ah.
suis... C'est toi! T'es une célébrité! Vise un peu la télé! Ça va, merci. C'est vraiment la soirée d'anniversaire, la pub pourrie. Qu'est-ce que tu dis? On a des bières? On a la télé? Qu'est-ce qu'il te faut? Bah voyons. Une fête, par exemple. Là, on pourrait aller à Boston. Aller à Boston? Eh ben, c'est... Pourquoi pas? Mais... Niveau organisation, comment est-ce que... Comment on ferait? On prendrait ta caisse? Ah ouais, t'as pas tort. Le parking, le trajet, l'essence et tout le reste. Carrément galère, quoi. Limite trop, même. Ouais, sans compter le prix de l'essence en ce moment. Ouais, c'est n'importe quoi. Au moins, rester ici, c'est gratuit. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Oh, et puis c'est bientôt plus mon anniversaire, de toute façon. Ouais, je crois que t'as raison. Il pourrait pas nous arriver une aventure à l'intérieur? C'est ma fête. Pourquoi il faut que je prépare tout? Tu devrais regarder. C'est fou. Ok, tout le monde. Je vais vous demander de vous éloigner de la scène du crime. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Je crains que l'enquête soit toujours en cours. Un gars s'est fait jeter par la fenêtre. On n'en sait pas plus pour le moment. Jeté par la fenêtre? Par qui? Ouais, qui a fait ça? Pardon, je le répète, l'enquête suit son cours. L'immeuble est sécurisé? Ouais, l'immeuble est sécurisé. En tout cas, le tueur n'est plus ici. Non, ils ont pas encore arrêté le type. Mais en tout cas... Ils sont presque sûrs qu'il est plus dans le coin. Agent Morgan, la ferme. Ils veulent juste savoir si le tueur rôde toujours dans les parages, mec. Détends-toi, ok? Madame, la police de Salem va élucider cette affaire. Ne vous en faites pas. Si, vous n'avez toujours pas appréhendé de suspect. Comment savez-vous qu'il n'est plus là? Ouais, comment vous le savez? En fait, ils n'ont plus l'air tellement sûrs d'eux. Je peux venir habiter chez toi quelques jours? Écoutez, je comprends votre inquiétude. Je voudrais simplement que vous circuliez pour nous laisser faire notre travail. Pourquoi il répond pas à Jill? Ces questions sont pas bêtes. Il faudrait que je reste avec ce groupe quand je partirai. Non mais attends, pourquoi ils veulent rien nous dire? Tout le monde veut les détails sordides. Ce serait bien si Scott pouvait se détendre. Hey, Bryce! T'aurais pas vu la fille qui habite ici? Si tu la vois, tu viens me prévenir, ok? C'est ma mère qui m'avait donné ce flingue. Attends, qu'est-ce que le tueur était venu faire ici? Qu'est-ce que j'ai loupé? Thank you.
Merde, il faut qu'on trouve ses locataires, si elles sont encore en vie. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Le tueur reste une énigme pour la police et une ombre qui plane sur ma vie. Si seulement je pouvais protéger Joy de tout ça, je serais prête à tout. Je serais prête à l'abandonner pour qu'il ne lui arrive rien. Je me rappelle encore du jour où j'ai vu l'annonce pour l'immeuble Régal dans le journal. La plupart des gens y voient tout de suite un trou à rats minable et décrépit, mais pas moi. Moi, j'y voyais un endroit plein de charme, de caractère, une source d'inspiration artistique. Avant même d'avoir eu le temps de comprendre, j'étais l'heureux locataire de l'appartement 3A. Et avec le recul, je me dis que je n'aurais jamais dû déballer mes cartons. Mon nouvel appartement s'est avéré avoir beaucoup plus de caractère que je ne l'espérais. La moquette était gorgée d'humidité, la plomberie complètement rouillée, sans parler du voisin du dessous et de sa manie de taper contre les murs en hurlant. L'appartement avait un tas d'autres défauts, mais rien que je ne puisse supporter. En revanche, l'eau couleur rouille qui coulait de la douche, la moquette inondée par des fuites mystérieuses, le voisin détestable, c'était trop. J'ai finalement décidé de faire venir un plombier, qui arriva au moment où j'allais descendre parler au voisin. Quand je lui ai montré les taches sur la moquette, il m'a lancé un regard ahuri en m'annonçant qu'il ne voyait aucune fuite et que c'était moi qui avais dû renverser quelque chose sans m'en apercevoir. Me prenait-il pour un imbécile ? Je n'avais rien renversé du tout. Il a haussé les épaules, s'est excusé et m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi. Je lui ai indiqué la salle de bain. Heureusement, l'eau était toujours aussi brune, ce qui, selon lui, pouvait être causé par un chauffe-eau rouillé, sur quoi il est parti inspecter la chose. J'en ai profité pour aller rendre visite au locataire du dessous. J'ai frappé à la porte, mais personne n'est venu m'ouvrir. J'ai tourné la poignée, m'attendant à ce que la porte soit verrouillée, mais elle s'est ouverte sans problème. La pièce était totalement vide. Seul un bruit de pas mouillés venait troubler le silence. Pourtant, je ne voyais personne. J'ai baissé les yeux vers le sol, des empreintes de pas humides apparaissaient, des traces qui se dirigeaient vers moi. À ce moment précis, le plombier a poussé un hurlement. Je me suis précipité en bas. Le plombier n'était déjà plus là, mais il avait découvert l'origine de la couleur de l'eau. Ne sachant pas ce qui avait bien pu le terrifier, j'ai regardé dans le chauffe-eau encore ouvert. Replié tout au fond du réservoir, croupissait un cadavre boursouflé. L'affaire concernant le meurtre suit son cours, et le propriétaire a promis de rénover la chaufferie. Qu'importe, l'appartement 3A est de nouveau à louer. Quant à moi, je ne sais pas si je me sentirai à nouveau propre un jour.
Retourne-toi. T'es en état d'arrestation. C'est ça que j'ai interrompu. Il cherchait la fille. Où est-elle passée? Je dois récolter un maximum d'indices avant de partir d'ici. Merde, il faut qu'on trouve ses locataires, si elles sont encore en vie. Je dois apporter cette photo à Rex pour l'alerte Amber.
père, vous avez un endroit où je pourrais habiter un petit moment? Bien sûr, mon enfant, l'église est toujours prête à aider. Merde, il faut qu'on trouve ses locataires, si elles sont encore en vie. Je vole par la fenêtre. Tu m'abats en pleine rue et tu vérifies même pas s'il y a des témoins. Tu te crois intouchable? Cette fille est ma seule piste. Je dois la retrouver. Je sais que je peux plus mourir, mais... j'ai toujours peur du vide. On recherche une arme. J'ai entendu dire qu'il n'en avait pas. Aucune trace, du tout. C'est pas possible. On est vraiment dans le brouillard, là. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai persuadé de devenir flic. Maintenant, il est mort dans la rue, et c'est ma faute. Si elle veut pas de relation sérieuse, il suffit qu'elle le dise. Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul meurtrier. Tous des imitateurs. J'aimerais trouver plus de plaques historiques. J'ai l'impression qu'on nous observe. Et si personne ne l'arrête, est-ce qu'il va continuer comme ça et massacrer toute la ville ?
J'aimerais trouver plus de plaques historiques. Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul meurtrier. Tous des imitateurs. Y a rien par là. Hey mec, dis-moi, tu travailles ici ? Quand j'étais vivant, oui. J'ai passé 10 ans ici. Et puis un jour, j'ai plus supporté et j'ai décidé d'en finir. Il y a des secrets qui sont trop lourds à porter. Tu faisais quoi, au juste ? Un peu de jardinage. Mais surtout du fossoyage. Le travail de n'importe quel gardien de cimetière. Tu vois très bien ce que je veux dire. Écoute, t'étais un inspecteur et j'étais un simple gardien. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Très bien, je cherchais juste à t'aider. C'est bon, lâche-moi avec ça. Je devrais rentrer maintenant. Reste dans les endroits éclairés. Ça devrait aller. Quel effet ça fait de mourir ?
en Espagne. J'ai entendu dire qu'il les brûlait. Jeté par la fenêtre. Ça doit être horrible. Reste dans les endroits éclairés. Ça devrait aller. Est-ce qu'un nouveau chef de la police ferait mieux ? Ah mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, 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 non ! Rick et Laura... Hé. Essaie de te calmer et parle-moi. Comment tu t'appelles ? Brad. Bon. Explique-moi ce qui s'est passé. Je sais plus. On était sortis en ville, histoire de se détendre un peu. On a bu un verre, puis trois, puis cinq, puis... J'ai arrêté de compter. Et puis c'est le flou total. J'ai dû vouloir conduire Rick et Laura chez eux. Oh mon Dieu. Oh, c'est ma faute. Je pourrais jamais me le pardonner. C'était peut-être pas ta faute. Tu l'as dit toi-même, les détails sont flous. Je peux essayer de récolter des informations, voir ce que je peux trouver. Merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est mince, mais ça vaut mieux que rien. La station-service est pas loin, je devrais y jeter un œil. Les vraies sorcières, ne portez pas ce genre de chapeau. En Espagne, j'ai entendu dire qu'il les brûlait. J'ai cru voir... Non, impossible. Devrais rentrer. Maintenant. C'est trop bizarre. Quelqu'un a perdu la vie ce soir. Je savais pas que t'étais une petite nature. Si on marchait un peu plus vite.
un taxi. Hein? Oh, la station de service. Ah ouais! La station! Ok.